Moi, d'abord, j'ai tenu à vous féliciter pour, sur trois points. D'abord, le fait d'avoir su faire vivre, et je dirais peut-être d'une autre manière, hein, parce que chaque génération a un peu sa magie particulière, d'avoir fait revivre ce club de jeunes entrepreneurs qui est vraiment une lumière, hein, et une référence, je peux le dire, et d'avoir été toujours ensemble pour un petit peu mettre en partenariat vos différents parcours et surtout être un exemple pour les autres. Parce que nous, comme disait le ministre, nous avons ces départements ou ces services maintenant d'insertion économique. Et il est vrai que dès qu'on a ouvert ces services, on a tout de suite contacté le club des jeunes entrepreneurs qui a beaucoup fait pour accompagner. Et pour nous, c'est une adresse importante pour tous les jeunes qui viennent nous voir et qui veulent essayer cette expérience de l'auto-emploi et de créer eux-mêmes leur entreprise, leur business. Donc c'est vraiment bien que vous continuez à faire vivre cette idée, au-delà même de vos entreprises, que cet esprit se perpétue, hein, qu'on peut entreprendre à Djibouti et qu'on peut réussir et que les futurs du développement, et moi je dirais le présent du développement aussi, c'est dans l'entrepreneuriat, dans l'innovation. Donc nous, quand vous êtes venus nous dire on a besoin d'un appui, on l'a fait vraiment volontairement. Mais on l'a fait quelque part parce qu'on était intéressés, qu'on sait que vous renvoyez aussi. Hein, je vous assure, c'est un partenariat, comme on dit, gagnant-gagnant. Et que nous vous sollicitons régulièrement dans toutes nos activités d'accompagnement de l'insertion économique, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat et du privé. Et donc, c'est un partenariat intéressé aussi parce qu'on sait que vous êtes à la hauteur. Tous les jeunes entrepreneurs que vous êtes et que vous ayez intégré le principe de mentorat, c'est une bonne chose parce que les jeunes ont besoin de rôle modèle, ils ont besoin d'exemples qui les inspirent, ils ont besoin de réussite, de succès. Le travail entrepreneurial, surtout quand on veut se faire vendre, il ne faut pas se limiter localement, il faut vraiment sortir régional, international et aller vers le pays du Sud. Donc ça, c'est une très bonne chose. L'endurance, la persévérance, c'est ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé dans leur garage, dans leur petite mansarde, sont aujourd'hui des millionnaires, des multimillionnaires, et qu'aujourd'hui, ils deviennent même ce que nous souhaiterions que vous deveniez plus tard, des mécènes. Hein, des gens même qui sont capables d'investir dans des causes nobles et d'intérêts généraux. Donc je vous dis bravo et au plaisir de faire des débats, puisque maintenant vous avez un espace qui s'y prête. Et moi, j'ai très confiance en cette jeunesse djiboutienne